On a commencé à travailler avec les cartes de NDVI et le plus gros problème de ce type de carte, c'est que durant les 10 dernières années, souvent, on prenait de très belles photos, puis on les accrochait sur un mur et on s'en servait pas. Du coup, comme on voulait véritablement, on a fait un partenariat avec Telespazio qui sont venus nous voir pour nous dire, écoutez, nous on cherche à établir une offre de service sur l'Aquitaine. Est-ce que vous aimeriez être notre vigne expérimentale? Donc on a répondu favorablement à leur appel. Et donc voilà le type de cartes que l'on a pu que l'on a pu obtenir, donc des cartes de végétation, donc de NDVI, donc plutôt faible en rouge, plutôt fort en bleu. Alors très bien, on a ça, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc on s'est posé la question et la première réponse en fait, c'est que effectivement, grâce à ça, on peut réaliser des zonages et puis faire des cartes de préconisation. Et la première chose qu'on a mise en place, c'est la fertilisation différenciée. C'est-à-dire qu'à partir, voilà, à partir de la carte que l'on voit ici, voilà, à partir de cette carte de préconisation, on vient la rentrer dans un ordinateur de bord qui se trouve dans le tracteur, qui est relié également à un GPS et qui va piloter l'amendement d'un épandeur à engrais de façon régulière. Et quand le tracteur se trouve dans une zone rouge, et donc il est en vigueur faible, il va mettre plus d'engrais, alors que quand il est dans la zone bleue, il va mettre beaucoup moins d'engrais. On voit ici les différences de préconisation. Je vous invite tous à aller sur la chaîne YouTube des vignerons de Buzet. Et d'aller voir donc la vidéo sur la fertilisation de précision où j'explique comment est réalisé le montage de l'appareil. Ensuite, autre sujet très intéressant pour nous, c'était les vendanges sélectives. Alors pourquoi? D'abord parce que on avait investi dans un outil de vinification qui a élevé l'ensemble de la qualité de nos vins. Par contre, du coup, on avait moins de différence entre nos vins haut de gamme et nos vins de cœur de gamme. Du coup, on a voulu aller chercher les meilleurs raisins qui se trouvaient au sein des parcelles. Et quel autre outil que celui-ci pour aller déterminer où étaient les meilleurs raisins? C'est pour ça que de la même façon, on a intégré cette carte de zonage dans l'ordinateur de bord, non pas du tracteur, mais de la machine à vendanger. L'intérêt de cette machine à vendanger, c'est qu'elle est capable, en fonction de l'endroit où elle se situe, d'orienter la parcelle, d'orienter le raisin soit dans un bac, soit dans l'autre bac. Du coup, en fin de parcelle, en bout de rang, on a deux tracteurs, deux remorques, et donc on met un bac dans une remorque et l'autre bac dans l'autre remorque. Et donc on a fait des vinifications séparées. Et on voit des différences qui sont énormes, puisque quand on est dans des parcelles de coteaux, on a plutôt énormément de variabilité, d'hétérogénéité entre les parcelles. Et on voyait on avait finalement les vins que l'on obtenait, soit on avait des vins très structurés, avec des composantes aromatiques plutôt fruitées, soit on avait des vins plutôt dilués, avec des composantes aromatiques végétales. Le problème, c'est que tout ça coûte très cher. Donc on a pu y aller parce qu'on a réalisé des partenariats avec New Holland, avec Telespazio, avec les engrais Fraissinet, etc. Par contre, quand s'est posée la question de l'investissement de l'ordinateur, de l'épandeur, on a dit clairement, on n'y va pas. On n'a pas suffisamment de gains aujourd'hui pour aller vers ces systèmes-là. C'est pourquoi on s'est dit, mais du coup, si on a un ordinateur, un régulateur, finalement un DPAE, qu'on peut utiliser sur un épandeur, pourquoi on ne pourrait pas le faire avec de la pulvérisation et donc à ce moment-là diminuer les quantités de phyto qu'on va appliquer à l'hectare. En plus de ça, en termes de développement durable, vous l'avez dit, on est engagé dans cette stratégie depuis 2005, ça permettait effectivement de limiter l'impact des produits phytosanitaires. En plus de ça, on avait une expérience abusée en termes d'innovation et de machinisme agricole. Et c'est pour cette raison qu'on s'est engagé à porter ce projet qui s'appelle le plan de traitement optimisé automatique, Marc,
qui est en fait la même chose que ce que vient de vous expliquer Marc, mais avec une régulation comme on l'a fait précédemment, c'est-à-dire avec une carte de préconisation qui se trouve ici, qui rentrera ensuite dans un ordinateur de bord, ou plutôt une tablette, parce que maintenant tout ça est en train de, d'un point de vue du numérique, on voit apparaître des tablettes de moins en moins chères et tout aussi performantes que certains outils dédiés à la profession agricole, mais qui sont très lourds d'utilisation et très chers. Et ensuite, en fonction donc du positionnement GPS, le tracteur sera capable de moduler la dose du pulvérisateur en direct. Donc voilà les partenaires donc de ce projet, avec bien sûr Téléspazio, la société Menton et Loré, et Lileo qui est une entreprise des Landes et qui est spécialisée dans la navigation. Innovin bien sûr, Ertus Consulting, l'IAV bien évidemment, la région Aquitaine et nous-mêmes. Voilà, je vous remercie de votre attention.